La mesure de restriction des visas, même de suspension des visas à l'attention des pays du Sahel, c'est-à-dire du Burkina Faso et du Mali, affecte les deux parties, aussi bien la partie française que les parties africaines. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement des étudiants de troisième cycle universitaire et de recherche qui sont pénalisés par cette mesure. Et ce sont les centres de recherche universitaire qui vont en pâtir principalement parce que les étudiants africains aujourd'hui qui bénéficient des visas en France sont généralement des gens qui viennent faire des cycles de recherche et des cycles doctoraux. Donc, il faudra à cet égard que les autorités françaises prennent conscience que la restriction n'est pas pénalisante simplement pour les Africains, mais aussi pour les institutions françaises, parce que là, on perd la matière grise qui est importante dans l'émulation de la recherche et de l'intelligence en France, notamment du savoir académique. C'est très important de le dire, parce que d'une crise diplomatique, qu'on transforme en restriction et suspension de visa tout azimut, il y a un pas qu'il ne fallait pas franchir et il faut à tout prix que cette mesure soit annulée le plus vite possible.